Coucou les chatons, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va se faire un petit haul décoration Jiffy parce que je suis allée récemment à Jiffy pour faire des petits achats pour la décoration et pour l'utilitaire de mon appartement parce que je suis entre chez mes parents et l'appartement. C'est pour ça que des fois vous voyez deux décors différents. Donc voilà, je suis allée faire un grand tour à Jiffy où j'ai acheté. Voilà, tout un cabas comme ça, parce qu'il y a des gros trucs, c'est pour ça qu'il y a un cabas. Alors, il se passe sans dire que j'y suis quand même allée avant qu'on condamne certains rayons. Donc, bon, vous avez tout le système du click and collect chez Jiffy, mais sachez que si vous y allez maintenant, on va vous faire remplir une fiche avec votre nom, votre mail et votre téléphone. Et afin de savoir en fait pourquoi vous avez acheté ces articles, enfin, quels sont les articles que vous avez achetés et surtout les non essentiels. Bref, je vous l'ai dit, je vous le spécifie au cas où vous y allez directement sur place et que vous n'êtes pas allé avant sur le site. Voilà, donc pour commencer, on va commencer par le plus volumineux. J'ai acheté pour mes chats un grand tapis comme ça, un peu, comment dire, pilou-pilou gris comme ceci. Pour mes chats, que je mettrai dans mon atelier qui est juste ici. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Je mettrai un petit plaid, un truc comme ça. Qui est pour chats et petits chiens. Mais bon, moi j'ai que des chats, donc bon, ça fera l'affaire. Je crois qu'il était à 7 euros, 7,50 euros, si ma mémoire est bonne. J'ai pris également ceci, qui était à moins de 2 euros. J'ai pas les prix en tête, je suis désolée. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos. À la base, ça c'est pour les couverts, mais moi je vais m'en servir pour mettre en fait tout ce qui est cuillère en bois, moi j'appelle ça les taloches parce que ça y ressemble, pour la pâtisserie et tout, parce qu'en fait chez mon compagnon il n'y a pas tout, enfin c'est surtout quand on fait la vaisselle, en fait on n'a pas de récipient spécial et moi j'en ai besoin, donc comme c'est moi qui fais le plus de pâtisserie, donc ça va m'être grandement utile. J'ai acheté également, désolé si je sors du cadre, un set de cuillères en bois parce que c'est moi qui fais le plus de pâtisserie, de bini et tout ça. Donc nous on a que la petite comme ça. Donc moi j'ai pris un set de 3 pour la simple et bonne raison que quand vous devez touiller par exemple une pâte à beignets, ben, c'est beaucoup plus facile avec une grande qu'avec une petite. Donc vous aurez les prix en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. J'ai pris un plaid pour le canapé, couleur moutarde à 6 euros. Celui-là, je peux vous le dire parce que c'était une affaire. 6 euros. En sachant que ça a coûté moins de 2 euros. Je crois que ça coûtait 1 euro et des brouettes. J'ai acheté des cotons hydrophiles. Vous allez me dire quel est l'intérêt d'acheter des cotons hydrophiles à Jiffy. Je crois qu'ils étaient à 1 euro. Tout simplement parce que mon chat a une grave otite en ce moment. Et que, ben, comme j'allais faire j'allais acheter de la déco, j'ai vu qu'il y avait du coton. Et bien comme je dois lui nettoyer les oreilles, je me suis dit je vais prendre le coton directement là, comme ça s'est fait. Donc ça a coûté moins d'un euro, je sais pourquoi ça va servir, donc il n'y a pas de problème. J'ai acheté également des guirlandes lumineuses comme ceci. Voilà. Que je trouvais très mignonne. Alors je crois que c'était dans les 6 euros et des brouettes, je ne vais pas ouvrir la boîte. Je vais pas ouvrir la boîte parce que bon, je sais pas encore comment je vais les installer dans l'appartement. Mais j'ai trouvé ça drôlement joli. Et surtout, je cherchais quelque chose dans cet esprit-là. Donc ça tombe bien. J'ai acheté également une spatule pour les crêpes. Je crois qu'elle coûte 5 euros si ma mémoire est bonne. Moi, je m'en sers un peu pour tout. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que bon, c'est pas tant pour faire des crêpes, c'est surtout parce que je voyais ma grand-mère s'en servir notamment pour retourner les pommes noisettes ou des trucs comme ça. Elle s'en servait un peu pour tout, faut dire. Et moi, ça faisait un bon moment que je cherchais un truc comme ça. Alors, celle qu'elle avait n'avait pas cette forme-là. Mais bon, le bec était comme ça, était long comme ça. Donc, je me suis dit, écoute, c'est pas très cher, donc prends-la toi. Ça te sera toujours très utile. Donc voilà. J'ai pris également ce que nous dans le sud on appelle un cheat sheet. Ça va m'être très utile surtout pour passer les produits. Parce qu'en fait, j'ai acheté un produit ménager qui peut être soit dilué, soit pur. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Enfin, sur la marque, pas sur le produit en lui-même. Et j'avais pas de cheat. Alors,
Je me suis dit, je vais en acheter un. Comme ça, je pourrais le balancer pur sur les trucs où c'est un peu graisseux et trucs comme ça. Et comme ça, ben, ça évitera d'en mettre partout ou de pas savoir m'en dépêtrer quand j'en aurai besoin. Donc, ça, franchement, ça coûtait 2,99 € quelque chose comme ça. C'est pas excessivement cher comparé à ce que vous pouvez payer ailleurs. Bon, c'est du plastique, hein, c'est pas du verre, hein, je précise. Hein. Ensuite, j'ai pris des décos de Noël. Et ça, je vais les laisser à ma mère. C'est des décos de Noël Disney. Voilà. Là, vous avez une boule. Bon, c'est dommage, la caméra rend très mal. Ah, ça y est. Une boule avec Bambi et Pampan. Gros clin d'œil d'ailleurs à Audrey Marshmallow, qui est aussi grande fan de Disney que moi. Et des petits trucs comme ça, Mickey. Parce qu'en fait, tous les ans, je fais un sapin de Noël sur le thème des gâteaux de Noël. Bon, il y en a que j'ai déjà. Hein. Mais c'est vrai que chaque fois que j'en trouve, eh ben, je change un petit peu. J'en mets des nouveaux, j'en mets des anciens, je mélange un peu. Donc, il y a ceux-là. Vous avez une mini qui est juste ici. Voilà, mini toute mignonne. Voilà, il y a plein de boules Disney, d'ailleurs, chez Jiffy, qui sont à des prix un peu plus corrects, je trouve, que Primark. Bon, c'est vrai que Primark, c'est des fois 5 €, 10 € et trucs comme ça. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus travaillées, mais bon, après, je trouve ça quand même relativement cher. Et j'ai acheté aussi, là, un peu, c'est des trucs un peu plus random pour la maison, du produit vaisselle Mir à 1,75 €. Qui est pas cher. Bon, là, il a pris, il est un petit peu couché. C'est normal qu'il ait cette tête-là. C'est Secret du Monde Japon. Donc, vous savez mon amour pour le Japon. Et des Reese's Big Cup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? Pour ceux qui ne connaissent pas. Les Reese's, en fait, c'est une espèce de petites tartelettes. Qui sont, là, en général, sont vendues par trois. Là, c'est le grand format. Au chocolat et au beurre de cacahuète. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi, j'ai déjà goûté. C'est très riche. Donc, il faut aimer ça. Mais bon, mon copain adore ça. Donc, dès que j'en trouve, ben, je lui en prends. Alors, ça coûtait 4 €. C'est quand même très, très cher, je trouve. Mais bon, de temps en temps, si vous avez envie de faire un plaisir, vous offrez ça. Ça fait plaisir et tout. Mais bon, il faut aimer ça. Moi, le beurre de cacahuète, je l'aime pas trop parce que je trouve ça très écœurant rapidement. Ça a un goût extrêmement écœurant. Et je l'aime en fait que dans les cookies, donc c'est pas très compliqué. Mais mon chéri adore ça parce qu'il a vécu pendant un bon moment aux États-Unis quand il était jeune. Et c'est vrai qu'il aimait beaucoup ça. Donc dès que j'en trouve, et c'est très difficile d'en trouver, ben je en prends. Ben là j'en ai pris. Voilà ce que ça. Vous en avez notamment dans certains Leclerc, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, ben écoutez, c'était tout pour mes petits achats Jiffy. Qu'est-ce que je peux en dire? Ben pour l'instant, ben, je trouve que c'est pas excessivement cher, donc ça passe. On trouve, enfin... Ça dépend comment c'est rangé. Moi, je sais que n'étant pas familière du magasin, ben, c'est difficile pour moi de trouver tout ce que je veux. Mais je trouve relativement ce que je veux. C'est moyennement cher. Genre, qu'est-ce que j'entends par moyennement cher? C'est-à-dire que si je prends l'exemple des moules à gâteaux. Moi, je fais beaucoup de gâteaux. Je fais beaucoup de pâtisseries chez mon compagnon. Les moules à gâteaux valaient beaucoup plus cher qu'à Casa, par exemple. Moi, j'ai un moule à gâteaux Casa que j'ai payé moins de 10 €. Vous allez me dire, moins de 10 € c'est cher. Oui, mais c'est... Ça tient quoi, faut y en prendre soin, mais ça tient, c'est du dur. Là, c'était des prix genre 12 €, 15 €, vous aviez rien à moins de 10, même les silicones, même les moules en silicone étaient chers. Alors, moi, j'aime pas spécialement les moules en silicone, mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait très peu de moules à gâteau qui étaient peu chers, on va dire, et j'ai trouvé ça un peu abusé, je me disais quand même, là, franchement, ça déconne un petit peu, mais ça, ce n'est que mon avis. Vous avez de tout pour changer de sujet. Vous avez des trucs pour les animaux. Et ça, c'est vraiment cool. Après, vous n'avez pas la nourriture pour les animaux. J'ai envie de dire presque heureusement. Parce que c'est très particulier. Vous avez de la vaisselle. Vous avez... Bon, l'ameublement, maintenant, c'est que c'est condamné à cause du Covid. Mais vous avez des trucs qui sont relativement intéressants. Et que on peut retrouver sur le site. Et moi, c'est vrai que je me suis repéré 2 ou 3 trucs qui vont me servir. Soit pour finir l'aménagement de ma pièce... qui est chez mes parents, ou de ma salle de bain, soit pour la cuisine chez mon compagnon, et même pour le salon. Il y a un peu de tout, il faut trier au niveau des prix, mais globalement, on peut trouver ce qu'on veut. Il y a des trucs que je trouve très chers pour ce que c'est, comme les bols, les tasses et tout, je trouve ça terriblement cher, mais ça, c'est un peu pareil partout. Donc, il faut trier. Il faut faire un peu la part des choses, il faut trier.
Donc voilà, écoutez mes petits amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est très courte, mais bon, voilà. N'hésitez pas à liker si cela vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis de prendre bien soin de vous. Ciao!